Du haut de ses 5 ans, Livia a les mêmes préoccupations qu'une petite fille ordinaire. Sa seule différence, une pathologie, la trisomie 21, qui demande un suivi régulier. Orthophoniste, kinésithérapeute, sa mère a dû arrêter de travailler pour honorer tous ses rendez-vous, indispensables au bon développement de sa petite fille. Super. La maladie de Livia a été détectée tardivement à la naissance. On est une famille tout à fait ordinaire, on avait une petite fille et on a voulu agrandir la famille, on en a fait une seconde et la faute n'a pas de chance, mais dans notre malheur, on y a trouvé notre bonheur. Parce que c'est vraiment l'amour avec un grand Olivier. Elle aborde beaucoup de joie, tout le temps. Elle est toujours positive, positive, positive. Comme les autres enfants, Livia va tous les jours à l'école, la même que sa grande sœur de 9 ans. Grâce à l'aide d'une assistante en vie scolaire, la petite fille a pu suivre une scolarité normale dans une maternelle classique en grande section. J'adapte mon travail à Livia pour que ce soit à sa portée, pour qu'elle ne se retrouve pas en situation d'échec, sans que ce soit trop facile, pour que ce ne soit pas tout cuit tout le temps. Malheureusement, certains enfants se voient encore refuser l'entrée dans un établissement scolaire à plein temps. Ce sont des enfants qui ont plus de besoins de stimulation et ce que l'on leur accorde en général, c'est encore moins de temps de scolarité, ce qui est une hérésie puisqu'ils en ont plus besoin. Avec un encadrement adapté, Livia obtient des résultats satisfaisants, une situation qui devrait être commune à tous les enfants touchés par cet handicap.